à tous les astronautes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je choisis exactement de jouer à Brawl Stars avec vous. Donc si vous avez remarqué, j'ai déjà commencé de jouer à Brawl Stars, car vous voyez tout en haut j'ai 9157 trophées exactement. Oui je sais, c'est beaucoup et pas beaucoup, ça dépend pour les personnes. Donc clairement je préfère vous prévenir, je vais aujourd'hui vous présenter mon compte Brawl Stars. Et je préfère prévenir en avance. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des pouces bleus et de vous abonner. C'est obligé ça, parce que si vous abonnez pas, là ça va pas. Non, je rigole. Alors clairement, je vais commencer à vous présenter mon compte. Donc le compte, c'est va être... et je vais vous le présenter. Donc pour vous prévenir, je vais commencer par vous dire que à chaque fin de vidéo, je vais faire au moins une partie avec un brawler que, je vais choisir. Donc, je vais commencer. Donc, je vais commencer par Bull. J'ai eu deux skins. Donc, Bull des barbares. Donc, pour vous prévenir, celui-là, c'est pour fêter les 10 ans de Brawl Stars. Et ici, il y a Bull, tout simplement. Donc, c'est celui qui a le plus de trophées. Si vous voyez au-dessus, c'est écrit « Trophée maximum ». Après ici j'ai ma petite Shelly, donc j'ai aucun skin de Shelly. Rosa elle a aucun skin et c'est une rare et je peux vous dire qu'elle est plutôt cheat pour une Rosa. Après j'ai Daryl Vapeur, donc le Daryl qui a été fait pour il me semble la Chine, et ici il y a le Daryl tout simplement. Donc après, il y a le petit Léon. Et oui, bon, bien sûr, si vous voyez, à chaque fois, ça gâche le suspense. J'ai tous les... Je montre tous les skins, en fait, clairement, au début. Bon, après, ça dépend lesquels. Donc après, il y a le bon petit Léon normal. Et après, il y a Léon Squall. Donc après, il y a le Franck, le petit Franck. J'ai aucun skin pour le Franck, mais bien sûr, il y a des skins de Franck. Après, j'ai la petite Shelly. Combat, c'est le dragon rouge. Après, il y a la petite Jessie, tranquille. Hein. Après, il y a le petit Poco. J'ai pas de skin. Donc, clairement, peut-être avec vous, je débloquerai des skins avec vous. Donc, pour vous prévenir, mon but, c'est d'avoir le skin de Léon, Léon Garou. Donc, après, j'ai Poco, où je n'ai pas de skin. Après, il y a mon beau petit Colt, hors la loi. Bon, lui, c'est pas vraiment le plus extravagant, le plus beau. Après, il y a le Colt normal, enfin, voilà. Il y a tout le monde qui les a. Après, il y a la bonne petite Pam qu'ils ont remodelée il n'y a pas très longtemps. Et je trouve qu'elle est plutôt pas mal, hein. Clairement, remodelée, c'est pas mal, mais je l'aimais bien aussi avant. Et après, il y a le petit Ricochet que j'ai fait au début, car il veut lâcher des pouces bleus à volonté, clairement. Et après, il y a le Ricochet normal. Donc, c'est Clan Ricochet. Et bien clairement celui-là c'est l'ancien Ricochet il me semble. Donc après il y a le beau petit Max. Donc le Max je souhaite pas vraiment acheter son skin qui est dans la boutique d'ailleurs, le magasin comme on dit. Donc ici parce que je trouve qu'il change en fait, pas vraiment. Et que comme j'économise tous comme je vous ai dit pour mon petit Léon Garou. Après il y a le beau El Costo que j'ai pas pris encore de skin en fait, du El Costo. Après, il y a la bonne Nita, donc j'ai pas pris aussi de skin de Nita. Après, il y a le beau... il y a le... c'est pas beau, hein, clairement, c'est Dynamite. Et après, il y a Brock. Donc Brock, ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Sauf que c'est un sniper, et clairement, les snipers, c'est un peu moins. Avec la petite Béa, qui est assez forte, puissante aussi. Avec le Mortis, donc oui, il y a Mortis avec le haut de forme. Donc le haut de forme, clairement, c'est ceci, le chapeau. Après, il y a la petite Penny. Je n'ai pas de skin. Après, il y a aussi le agent M. Donc clairement, lui, il est vraiment stylé. Avec Monsieur M. Donc moi, il me fait penser à un explorateur, en fait, avec le petit chapeau dessus. Et après, il y a aussi le petit Carl, qui est pas mal. Le petit Bartaba, donc oui, le Bartaba sorcier, qu'on peut l'avoir sur... exactement où on peut l'avoir. Si on se connecte à Supercell ID.
Et après, il y a le beau arcade. Ici, là, c'est un bel arcade, ça. C'est vrai qu'il est pas mal. Et après, il y a le bobo, là. Là, le bobo. Là, le beau. Pardon. Clairement. Il y a le petit tic. Le petit tic, il est magnifique, en vrai. Il est très beau. Et aussi, il y a la Elisa. Donc, j'ai acheté le skin, clairement. Enfin, ça passe avec le skin. D'ailleurs, avec vous, je vais payer les 20, parce que comme ça, autant le faire avec les 35 aussi. Comme ça, c'est fait. Au moins, je l'ai amélioré. Et après, mon petit nani préféré. Il est trop stylé, je trouve que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai, il est déjà pouvoir... Enfin, rang 11. Bon, clairement, c'est vrai qu'il est pas mal, hein. Il faut se l'avouer. Ma petite Billy que j'ai eu, bah... En fait, vous voyez que les derniers skins, c'est ceux que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Avec le petit skin de Jackie. Donc, celui-là, il est sorti il y a pas très longtemps. Et il y a le petit Jackie. Eh oui. Avec la petite Polly, oui, bon, j'ai acheté, je sais, vous allez me dire que oui, c'est vrai que j'achète les skins pas très chers, bon, moi je les ai. Et c'est la petite Polly normale, Polly rose, comme si, le nom, qui indique. Et après, bon, il ne reste plus que 7 brawlers à voir, et c'est bon. Alors, clairement, à chaque fois, je me dis que peut-être faudrait avoir un brawler, et si le prochain brawler que j'ai, moi je dirais que c'est la Tara. Donc je vais prendre un brawler exactement et je vais commencer à jouer bon, bah, avec mon petit nani. Je sais pas mais vous, moi j'adore mon nani, clairement il est très bien. Bon voilà, on va commencer avec le petit nani. Donc clairement c'est un personnage facile à jouer. Oui je suis en duo. Donc le nani, bah, c'est vrai qu'il est plutôt fort parce que on peut viser par où il va. Regardez, ici on peut faire comme ceci. Et ben voilà, on peut tourner, bon, voilà, comme tous les autres. Mais aussi, je peux faire comme ça. Bon, après, mon truc préféré, c'est quand on bouge pas vraiment. Comme ça. Bon, alors, ce qui est bien aussi avec lui, c'est que il fait beaucoup de dégâts quand il y aura le galeron au bout. Donc, du coup, après, il y a ici. Ok, il n'y a pas beaucoup de vie. C'est... Oh mince. Oh non! Juste à cause d'un petit robot comme ceci. Les petits robots comme ceci, c'est trop énervant. Enfin, clairement... C'est bien bien, mais ouais, c'est vrai qu'il y a des limites avec ces robots, hein, clairement. Faut se l'avouer. Bon, souvent, ce qui est énervant aussi, c'est quand il y a ceux qui attendent, et en fait, ils jouent pas. Ou sinon, que ceux qui jouent pas. Donc après, oui, c'est vrai, là, je fais deux combats, mais clairement, après, je vais aussi faire... là, je vais utiliser ma Rosa dans les prochaines vidéos, je vous le promets. Car elle a un pouvoir star. Oui, c'est vrai. Oui, elle a un pouvoir star. Bah, je crois que vous l'avez vu exactement dans mes vidéos. Donc, clairement, ce Brawl Stars est vraiment un bon petit jeu, car, clairement, il est bien, en fait, hein, clairement. C'est vrai qu'il est... Donc, je crois que c'est Supercell qui l'a... Oh, finalement, il est mort. Mais comment ça se fait qu'il est mort? Ah, sinon, après, c'est énervant, les gens qui ne rejouent pas ou qui les rejouent alors qu'ils sont... Désolé pour ceux qui sont comme ça, mais ils sont pas très forts. Bon, moi je l'avoue, c'est. Y a, enfin, clairement, moi je suis pas le plus fort. Et je crois que je suis plutôt bon. On est bien sur Brawl Stars. Oh, y'a la blinde de la gemme là. Oh, j'en ai. Non, mais pourquoi mon col qui joue pas là? Ça, c'est les bugs à chaque fois. Hop, 12 gemmes. Là, je fais du corps à corps, je gagne. Clairement. Ok, c'est vrai qu'on... Ah, maintenant. Ouais, voilà, là, ça sent bon, petit topin. Clairement, là, ça sent bon. Vous voyez, là, tu vois, ça sent le bon petit nani. Le bon toutou nani. Et voilà, bon, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo, les astronautes. Je redis, faites... N'oubliez pas de partager ces vidéos, de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Surtout, appuyez pour vous abonner. Clairement, c'est mon skin préféré. Il dit qu'il faut que vous lâchiez beaucoup de pouces bleus. Vous voyez? Donc, les astronautes, merci d'avoir. Mais non! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner.